Je m'appelle Numa. Mes proches m'appellent Nums, même si c'est pas plus court. Je suis CEO chez Nalo. Je m'occupe de trois choses, la stratégie, le développement commercial et le financement de la société. Alors quand j'étais petit, moi je voulais être basketteur aux Chicago Bulls. Et ça a loupé. Mon petit plaisir, il n'est pas caché, c'est la musique techno. J'adore ça. J'ai pas trois titres, mais plutôt trois artistes, trois DJ, qui sont Matam, Dobé, D-O-B-E, et Mira. Je t'ai pas raconté la fois où je me suis cassé le nez. J'étais en troisième et j'avais loupé un cours. On s'est entendu avec un ami pour que je vienne récupérer les cours chez lui. Mais en fait, on s'est mal compris. Donc je suis allé en vélo chez lui très très vite. Et il a fait la même chose. Et on s'est percuté très très fort au détour d'un virage. Et je me suis pété le nez à ce moment-là. Et ça a fait très mal. Mon talent caché. Alors je sais pas si c'est un talent, mais je nage très vite. Je fais de la natation depuis que j'ai 5 ans. Donc voilà, je peux nager le 100 mètres en nage libre en moins d'une minute. Je sais pas si c'est un talent. J'en ai deux. La première s'appelle Argent, ou Argent en français. C'est une app d'investissement en finance décentralisée. Et la deuxième s'appelle Notion, c'est une app de travail collaboratif qu'on utilise beaucoup chez Nalo. Et ça tombe bien, on a fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Le truc qui me fait retomber en enfance, c'est l'odeur de la lavande. C'est vraiment très romantique. Ça me fait penser à l'odeur de chez moi. Je suis né à Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. Et voilà, l'odeur de la lavande me fait penser à mon village Manosque. Mon premier animal de compagnie s'appelait Ulysse et c'était un super bobtail. Un gros chien avec plein de poils, tout le temps sale, mais super cool. Du coup, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir de la faire. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Et on sort une vidéo tous les dimanches, donc à la prochaine.